Bonjour à tous, ici le Goomba 80, on se retrouve pour une petite vidéo, on pourrait dire découverte, sur le jeu League of Legends. Bien joué, Rubéry. Donc, je découvre le jeu grâce à Maëlrys, hein, si je dis pas de bêtises, ouais, c'est bien. Donc, merci à toi pour avoir montré ce jeu. Donc là, c'est une petite partie, j'ai à peine joué une trentaine de minutes tout à l'heure, et là, je reprends, je teste un autre truc, je sais pas. Donc là, je suis en compagnie, on fait coop, la coopération, et contrôle, on est contre l'ordinateur, je crois. Donc là, par contre, niveau capture, je vois pas très bien, parce que là, c'est tout un montage, j'ai branché le PC avec un câble HDMI sur la télé, c'est tout un cinéma. Et j'ai vu qu'il y avait d'autres personnes avec moi. Donc là j'ai pris Nunu, un dompteur de Yeti. Tout à l'heure j'avais pris Ryze, un mage. Donc j'ai vu en ma compagnie un mec qui s'appelle Dark Alex 46, je sais pas si c'est Dark Alex Tester, pardon, le testeur de jeux vidéo, je sais pas. Parti, il y a du fight. Je connais pas les attaques de mon Yeti là. Tout à l'heure, le mage il joue à distance, on va voir des éclairs. J'espère que je vais pas trop me faire dégommer. Donc je débute dans le jeu, donc j'y connais pas grand chose. Après j'espère que vous entendez pas trop mon PC, et là je pense qu'il va y avoir des petits montages malheureusement, parce que je vois que mon outil de capture est un peu déglingué, et il y a plus beaucoup de batterie malheureusement, c'est les aléas du direct, hein. Un allié a été tué. C'est la fête. J'en profitais pour changer la batterie, on va dire, de mon engin de capture. Et on va se retrouver tout de suite. Donc désolé, hein, c'est les aléas du direct à peine commencé. Allez hop. Mais bon, voilà. Allez, c'est parti, on y go, on est chaud. Allez, on est back. Alors ça continue. Je vais essayer de bien me positionner pour jouer. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Mystère. Il faut dégommer tout ce qu'il a en violet. Je sais pas si vous voyez bien la carte, là c'est vraiment un peu de la vidéo à l'arrache, on pourrait dire. Un allié a été tué. Dégommer du loup, je crois que normalement si ça change pas c'est du loup. Exécuté. Super Yeti. Je vais essayer de bouger la capture pendant ce temps-là que Yeti il avance, donc ça va, les loups ils sont sympas, ils ne dégomment pas la face. En fait je peux pas trop bouger la capture aussi, voilà comme ça. Là, Philippe, ça, ouais, c'est sur la télé, hein. Voilà. Donc désolé si parfois je parle mal ou n'importe, c'est vraiment improvisé, hein. Quand je prépare pas comme ça, c'est le direct, c'est le direct. On va dégommer un loup. Allez là. Thank you.
connais bon, pas grand chose. Pas grand chose, pardon, à part une trentaine de minutes que j'y ai joué. C'était un tuto, alors voilà. C'est rentré. J'ai fait un jeu début, hein, mais bon. Voilà. Le Yeti connaît le chemin. Ouais, grande herbe. M'avait dit Marvel, si on peut se planquer dedans. Moi j'aime bien, c'est vraiment un très très beau décor. Il y a du fight ici. Il y a du fight. Voilà, buté. C'est bon, on n'attend pas trop longtemps, quelques secondes. Allez, c'est parti. On est bon, on est chaud. Nunu, le dompteur de Yeti, ouais. Un drôle de mort, hein, merde. Mince, j'aurais dû aller acheter des objets. Donc apparemment on est combien? 1, 2, 3, 4, 5. On est 5 contre c'est de les dégommer. Allez, niveau augmenté. Fight. Et voilà, encore dégommé. C'est bien, c'est la fête. Et voilà. Ah voilà, Dark Alex est parti. Donc là je pense que si ça coupe, c'est encore des problèmes de batterie. Parce qu'en fait, voilà quoi, j'ai pas... c'était pas prévu, donc j'ai pas fait le nécessaire pour la batterie. Grave, je comptais pas faire une grosse vidéo là-dessus, comme je connais pas grand chose, mais c'est un jeu quand même que je recommande pour ceux qui aiment ce style de jeu. Ça me rappelle le genre de jeu Command & Conquer, des trucs comme ça, là. Alerte Rouge, le genre de jeu que je joue vraiment beaucoup, que j'ai joué dans ma jeunesse. Donc vous inquiétez pas, hein, si ça coupe, c'est normal. Bon, ça y est, c'est la fête au village. Et voilà, encore crevé. Ils sont déjà niveau 7 en plus, donc ils ont pas trop de mal. Miss Fortune, hein, c'est le perso à Myrlis. Un ennemi n'est pas massif. Alors. La magie. Puissance. On a combien? 1363. Allez. Lame de machin, mon frère. Vous ne pouvez pas faire un plaid maintenant. Tempi. Alors qu'est-ce qu'il se dit? Goomba, noob. Ah ouais, bah ça, ouais, bah voilà, c'est comme avait précisé Malaris, hein, il y a une une mentalité vraiment qui fait pitié. C'est dommage. Pour un jeu comme ça, les gars ne prennent pas compte des débutants, ils n'ont rien à secouer.
des nous, où on les sous-estime et on se fait broyer. C'est toujours pareil. Pourtant, j'avais précisé que vous avez vu que je débutais, mais non, il y en a. Ils n'ont rien à secouer. Hein. Voilà, on fait sécher. Un allié a été tué. Et alors je sais pas si vous pouvez dire ce genre de truc, hein. Pas grave, je sais pas si c'est plus ce que j'ai écrit. Je pense qu'on a le droit d'écrire des choses comme ça, parce que sinon on se fait virer. Je vais aller ailleurs pour une fois, parce que sans arrêt je me fais broyer la gamelle. Je pense que la capture va pas tarder à se couper. Hé, hey, petit Yeti, ça fait peur, un jeu. Je pense quand même qu'il faut une paire d'heures pour bien connaître le jeu. Bien faire les tutos, en séchant. Je pense que quand même je vais les faire si ça continue comme ça. Oh, un autre Yeti. Combat de Yeti. Et voilà. J'ai voulu faire le truc rappel, mais trop tard. Trop tard. Cliquez pour un récap des morts. Voici, on peut acheter. Allez, un mode du dragon. Plus 100 points de vie, plus 5 de régénération du mana toutes les 5 secondes, plus 15 de puissance. Baguette explosive. Ah, j'avais pas fait gaffe, en fait, on peut acheter seulement ce qui est en surbrillance. Peut-être de trois cochères, je sais pas, vraiment les drôles de perso. Ne mettez pas le Yeti en colère, vous n'avez pas envie de voir le Yeti en colère. Ouais, parce que sinon ça va chier les gars, lui quand il tape, il fait pas semblant, il tape dans le temps et c'est tout. Pour tout ce qui bouge. Petite parenthèse hein, pour ceux que ça intéresse, si vous voulez savoir des infos sur les prochaines vidéos qui sont à venir, etc. Allez sur Facebook et faites-moi une demande d'amis, Goomba King. Alors en ce moment l'image c'est Yoon hein, pour ceux qui disent Yoon de Street Fighter, forcément Dark Yoon, hein, mon pseudo de PSN. Allez. Allez, défroye tout là, je me fais défroyer. Allez, bah non, je me suis fait défroyer la gamelle. C'est un peu plus de temps là, ça y est. Bon, encore quelques minutes, et puis je pense qu'on va arrêter le massacre. Peut-être que je vous referai une autre vidéo avec Maëlrys, hein, peut-être, si ce serait sympa. Avec d'autres personnes, je pense notamment à Azaz Walker. Je ne sais pas s'il a le jeu, mais bon, à plusieurs, ça pourrait être sympa, plusieurs personnes de YouTube ou autre. Ça pourrait être sympa. Alors là, j'espère que durant la capture, vous n'avez pas trop entendu le bon PC parce qu'il est tellement rempli de trucs que voilà. Oh non! On va tous crever! Soin, pas de coups, c'est quoi? 100 chaud, 50 points de mana. Voilà.
emporter 60 points de mort, dévore les sbires, visés, infligeant 500 points de dégâts bruts et pendant 55 points de vie. On va se poster ici. Alors je sais pas, en plus il y a la tour, alors peut-être que pour une fois. Ah non, il y a un héros, là, je sais pas quoi. Allez hop, dégommé. T'es en embuscade. Il y a du bluff. Hein. Parti. Donc là, apparemment, on va chuter niveau 4. Allez, on va aller. Regardez-moi les flammes, ça se voit que c'est du PC. Ça change de la PC. Et voilà, tain, ça vous en fringue. Je vais me faire dégommer quand un coup. Et bah voilà. Un Yeti, tué par un Yeti. Donc là, je pense que la partie va être capoute. Alors, lol. Allez, quelques secondes, 3, 2, 1, go! Un ennemi est invincible. Ne mettez pas le Yeti en colère. Vous n'avez pas envie de voir le Yeti en colère. Ouais, pas besoin d'aller bien loin. Un ennemi a été tué. On va suivre F, je sais pas quoi là. Ouais, au pire. Ils se battent, on peut. Et le Mumbo qui va se faire défroyer pour un coup là. Et là voilà, c'est la fête. Donc je pense que tous ceux qui se la jouent un petit peu risquent de rigoler. Mais bon. Voilà quoi. Il y a des drôles de communauté de nos joueurs. Puis on commence forcément tous au bas de l'échelle, on peut pas être fort dès le départ. Votre tourelle a été détruite. Ouais, on doit être 17 minutes, je pense, un truc du genre. Donc je pense qu'on va se quitter là-dessus sur le jeu League of Legends. Donc un jeu que je recommande pour tous ceux qui aiment ce genre de jeu. Hein. Allez hop, je me fais broyer là. Et puis ouais, voilà, on va se quitter là-dessus et je vous remercie à tous de m'avoir regardé cette petite vidéo, on pourrait dire découverte, mais bon, j'avais joué un tout petit peu avant, juste pour dire, pour voir ce que c'était. Et voilà. Donc je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos et encore merci à tous ceux qui regardent mes vidéos, qui me suivent, etc. Et à la prochaine, bye, salut à tous.